Christelle Sassou Nguesso sabotée au Forum économique mondial à Riyad, en Arabie Saoudite. Le fils du dictateur congolais qui s'était inscrit et acheté une place au Forum économique mondial à Riyad, en Arabie Saoudite, pour inciter les investisseurs étrangers à venir au Congo, n'a eu que les yeux pour pleurer. Il a été lamentablement humilié et rappelé à l'ordre par un public attentif et instruit à l'échelle internationale. Il lui a été signifié. Comment peut-on venir investir dans un pays dont l'indice de corruption peine à convaincre les grandes puissances, les grands investisseurs étrangers? En ce qui concerne son père, son nom est apparu à plusieurs reprises dans les questions des journalistes. D'ailleurs, Denis Sassou Nguesso, son père, est accusé de trafic d'influence, de corruption et de blanchiment de fonds publics à l'échelle internationale. Des Panama Papers aux Pandora Papers. Une série de questions qui lui a été soumise et il a été incapable de répondre clairement. Nous avons saboté et nous continuerons à mettre tout en œuvre notre action pour restreindre son action à l'étranger. Par ailleurs, nous vous précisons que tout le monde, je dis bien tout le monde, peut participer à ce Forum économique mondial de Davos. Il vous suffit de faire une réservation sur le site internet du Forum économique mondial, comme vous pouvez le voir à l'instant. Rien d'impressionnant, les amis. Après Riyad, nous allons nous rendre à Dubaï pour diverses raisons, avant de rejoindre l'Europe. Christelle Sassou Nguesso retiendra la leçon si nous manquons son père. Le Congo n'appartient pas à la famille Sassou Nguesso. Qui vivra, verra. Denis Sassou Nguesso, ange ou démon.